Allez, et le joueur russe, le joueur qui s'approche de la cage, qui fait la petite fête et qui tire, et c'est l'arrêt du gardien, l'arrêt du gardien. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça y est, les deuxièmes journées de cette Coupe du Monde 2018 commencent. Alors, pour le groupe A, la Russie a gagné 5-0 contre l'Arabie Saoudite, donc ça m'étonne pas du tout. Et l'Uruguay qui gagne au fil 1-0 contre l'Égypte. Et là, du coup, la Russie, s'il veut se qualifier, eh ben, il faut gagner. S'ils veulent avoir une chance de se qualifier, faut faire match nul. Et pour l'Égypte, eh ben, victoire obligatoire. Parce que sinon, aïe aïe aïe, même s'ils peuvent gagner le dernier match, après, si la Russie, l'Uruguay fait match nul. Voilà. Donc, pour l'Égypte, il faut gagner obligatoirement pour avoir au moins une chance de se qualifier. Et les Russes qui ont un petit coup franc, qui vont tirer. Et non, c'est la défense égyptienne. Alors, la défense égyptienne, vraiment, qui a été sans Mohamed Salah. Et c'est le tir. Et c'est l'arrêt. C'est l'arrêt du gardien égyptien. Mais ça, c'est magnifique. Alors, oui. L'Egypte a été pas mal, qui a beaucoup tenu sans Mohamed Salah et qui a lâché à la fin avec un beau but de Cavani, si je me trompe pas. Et ouais, il y en a qui n'ont pas Bein Sport, hein. Ils voient que les résumés. Allez, attention, attention, oh là là, Mohamed Salah qui marque. Oh là 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 là, c'est magnifique. L'Egypte, Mohamed Salah qui est revenu dans cet effectif. Bon, je vais essayer parce qu'on sait jamais. Est-ce qu'ils vont... Est-ce que, voilà, Mohamed Salah va venir. Eh ben voilà, s'il est de retour, eh ben vous voyez, dans le jeu, déjà, il est en pleine forme. Qui marque, bon, c'est vrai qu'il marque beaucoup de chance, mais qui marque quand même le 1-0. Et but de l'Egypte à la 12e minute. Les Russes qui vont être obligés de s'ouvrir un petit peu avant, ben, pour gagner. Ils vont être obligés au moins pour égaliser. Allez, avec Golovin. Avec Crash qui fait passe Djakov, Nostanster, Zorvin, j'ai pas dire les noms russes parce qu'ils ont des noms bizarres. Oh là, qui s'est ouvert le chemin du but et c'est le poteau pour les Russes, mais non, c'est pas possible. Et les Russes qui essaient de défendre, oui, c'est bon, c'est bien défendu quand même, belle petite interception. Les Russes qui ont répondu aux Égyptiens, mais pas entièrement parce que les Égyptiens ont marqué. Allez, et c'est les... Ouais, c'est les Russes, tranquillou, qui mènent dans ce match. Allez, attention, les Égyptiens qui partent en contre-attaque. Elni avec Mohamed Salah, qui fait le petit dribble, qui fait partir Fatih. Et Fatih, il est parti, Fatih. Et c'est encore interception de la défense russe. Allez, et c'est les Russes qui repartent, qui font partir. Allez, qui part. Ouais, il se fait vite rentrer. Ils sont pas mal, les Égyptiens. Ils sont vraiment pas mal par rapport aux Russes. On les voit ici. Regardez encore une contre-attaque qui va faire la défense. Oui, c'est une belle petite défense des Russes. Est-ce qu'ils vont partir en contre-attaque? Pour l'instant, c'est bien parti. Malheureusement, le joueur va se retrouver tout seul. Il est parti. Il va faire partir derrière. Et malheureusement, on va vite rattraper. Le contre très, très, très mal joué. Allez, ouais, ça c'est magnifique. Soleil tout seul, il va tirer de loin. Et c'est sur le gardien. Malheureusement, le tir des Russes qui n'arrive pas vraiment à... Oh là là, ça c'est beau, qui refait partir. Et il va encore tirer de loin, et c'est un arrêt, encore un arrêt du gardien. Oh, les Égyptiens qui tiennent bon dans cette première période. Oh là 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 là, qui est magnifique pour l'instant. C'est eux qui, vraiment, qui mènent dans ce match. C'est eux qui dominent, regardez. Bon, c'est vrai qu'il y a une belle défense des Russes. Allez, attention. Kudryazov. Oh là, c'est compliqué à les dire. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que cette erreur va coûter cher? Et non, encore une belle petite défense des Russes. En sachant que la défense russe, c'est pas ça. Hein. Là, je sais. J'arrive vraiment à défendre. Je sais pas comment je fais pour défendre avec ça. Allez, c'est parti. Et les Russes, ils vont se rapprocher. Hop, et qui fait la petite feinte. Et qui fait. Oh, c'est encore un arrêt. Encore un arrêt du gardien. Oh là 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 là. En plus, j'ai pris un contre-pied. Et le gardien qui
laisse son pied ouvert. Oh là, c'est magnifique. C'était une belle petite action. Et les Égyptiens, allez, qui part? Est-ce qu'ils vont mettre le 2-0? Mohamed Salah, et non, c'est El de Saïd. Et qui tire sur le gardien El de Saïd. Allez. Granate qui fait partir Rush. Oui, qui refait partir. Qui refait partir. Sur le côté. Sur le côté, oui. Hop, qui va refaire partir l'attaquant. Belle petite défense égyptienne. J'aurais dû faire un petit geste technique qui n'a pas réussi. Allez, et c'est Mohamed Salah. Mohamed Salah, encore lui. Encore lui qui va aller devant au but, qui dribble le défenseur et qui fait la passe. Et c'est le 2-0. Le 2-0 pour les Égyptiens. Est-ce que ça va être la même chose? Est-ce que ça va être la même chose mardi? Et eux, ils jouent mardi, c'est vrai. Ah là 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 là, aïe 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 aïe. Ouh, Mohamed Salah qui fait du mal dans cette défense avec un but d'Ahmed Hassan. Allez, les Égyptiens vont croire jusqu'au bout à leur qualification. Bon, c'est vrai que les Russes, ils ont pris la plus faible équipe du groupe, hein. Donc ça se voit. Déjà, eux, ils sont faibles. Alors... Je vais dire oui, les Russes ils sont bons, ils ont gagné 5-0. Voilà, bon, c'est vrai qu'il y a certains pays comme le nôtre qui gagnent pas 5-0. Hein. Allez, c'est la mi-temps. Allez, c'est parti pour cette deuxième période. Et je rappelle que l'Égypte mène 2-0. Pour l'instant, c'est eux qui en font la bonne opération. Donc, déjà, est-ce que dans la vie réelle ils vont faire pareil? Et bien, ça, on verra ça. Déjà à la fin de ma vidéo et on verra ça dans la vie réelle. Et pour l'instant, regardez ça, oh là là, c'est magnifique, Mohamed Salah. Alors déjà, est-ce que Mohamed Salah va être titulaire vraiment ou juste remplaçant? S'il est titulaire, est-ce qu'il va faire mal à la défense russe? Je pense que oui, hein, parce que cette défense, ça c'était très très mauvais. Allez, attention, dans le dos, oh là là, belle petite passe, mais et c'est pas encore une petite interception. Allez, attention, ça joue en jeu de triangle. Allez, qui refait partir. Attention, les Russes qui récupèrent toujours pas cette balle. Allez, tu peux le récupérer, mon petit. Non, il le fera pas. Allez, tout seul, il est tout seul. Vas-y, tu peux y aller, tu peux y aller. Oh, petit tacle qui a amené à rien. Attention. Allez, le petit. Oh là là, c'est encore un Égyptien qui est là. Les Égyptiens qui sont en défense. Allez, Mohamed Salah est toujours là, Mohamed Salah, qui fait partir Hassan. Hassan qui fait partir Salah. Salah qui va partir sur le côté gauche, le côté droit. Et attention, oh là là, c'est magnifique. Les Russes et les Égyptiens. Et attention, les Égyptiens qui vont... Oh là là, mais ils jouent super bien. Oh, c'était... J'ai pas vu le match contre l'Uruguay, mais... Malheureusement, en espérant que... Attention, attention! Oh là là, la petite passe, c'est encore une petite défense des Russes. Et en plus, c'est ce corner. Attention, est-ce qu'on va avoir le but sur corner? Et non, 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 ça va être encore. Ah non, bien joué. Allez, hop, oh là, c'est les joueurs. Mais il est bête l'autre. Pourquoi il laisse pas le. Mais il a... pourquoi il a pas laissé son joueur prendre le ballon? Pourquoi? Je ne sais pas. Allez, voilà. Là, quand c'est bon, hein. Quand ça se gêne pas, c'est différent. Allez, Zorbin qui part. Et qui part. Hop, qui fait partir Sloth. Hop, Sloth, tout seul. Et attention. Et c'est contre. Mais ça va être la passe. Et non, ça va être encore les Égyptiens qui ont la balle. Les Égyptiens qui dominent vraiment ces Russes. Est-ce que ça va être pareil dans la vie réelle? Je pense que oui. Personnellement, voilà, attention, Karaba qui est parti, qui fait n'importe quoi, bien sûr. Eh oui, très, très, très n'importe quoi. Allez, on va partir de derrière tranquillement parce que Granate, il va commencer à être fatigué. Zorbin aussi. Allez, miracle, je kiffe. Samedov, Zorbin qui fait passer à Tchaskokov, hein, qui fait passer à Ruche. Allez, attention, oui, oh là là, mais non, c'était pas lui, oh là là, pourtant je fais bien la direction et tout, mais non, hein. Ça va pas,
Allez, regardez, voilà, c'est voilà un peu qui peut, oui, qui va faire partir. Allez, tout seul, t'es tout seul, malheureusement. Et oui, les joueurs qui, c'est bien de se retrouver d'égal devant, mais bon, quand on est derrière les joueurs, c'est impossible, hein. Faut se libérer un petit peu, le jeu sans ballon, les gars. Allez, attention. Allez, c'est parti. Oh là là, sur le déf... la frappe sur le défenseur en plein ventre. J'espère qu'il a pas mangé avant, parce que sinon. Aïe aïe aïe. Allez, Mohamed Salah qui fait passer avec Hassan. Hassan, le joueur qui revient, qui a récupéré cette balle. Oui, tu peux le faire partir. Allez, hop, vas-y, fais-le partir. Et c'est le joueur défenseur. Oh là là, et bien joué l'arrière droit de l'équipe d'Égypte qui arrive à contrer le joueur. Oh, j'arrive pas, j'ai du mal aujourd'hui. Pourtant, je ne travaille pas. Ah, quand on travaille pas, ça y est, ça devient super chaud. Allez, attention, oui, c'est une petite aparté sur ma vie, on s'en fout un petit peu. Allez, qui refait passe. J'ai même pas fait sortir un joueur, même l'Egypte a pas fait sortir un joueur. Il y a tellement pas d'arrêt de jeu qu'on fait même pas sortir un joueur. Allez, je rappelle toujours 2-0 et c'est la fin de ce match. Faut que les Russes mènent. Ouais, marquer un but pour au moins espérer le match nul pour la fin de la rencontre. Et c'est bien parti, c'est bien parti. Hop, qui fait partir. Attention, attention, et c'est le tir. Goal, 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 goal. Et la Russie qui ouvre le score dans ce compteur et qui revient à un but de les Égyptiens. Est-ce que les Égyptiens vont tenir à la fin de la rencontre? Eh bien, ça, on verra ça. Belle petite passe en profondeur et belle petite. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait le gardien. Il nous a fait rêver pendant 87 minutes. Et malheureusement, là, il fait n'importe quoi. Allez, c'est parti. Les Égyptiens, est-ce qu'ils vont tenir? On a oublié de faire des changements. Même pas les Égyptiens ont fait. On a deux équipes, on n'a même pas fait les changements. Allez, 90 minutes. Ouh, faut que les Russes. Allez, faut que les Russes partent en attaque. Mais malheureusement, regardez, ils sont tous regroupés en défense. Normalement, faut que vous devez aller en hauteur. Allez. Mais hop, voilà, ça s'est mal joué, comme d'habitude. Allez, oh, lui, il est parti. Oh, lui, il est parti. Oh là, il est parti, il va tirer de loin. C'est un arrêt du gardien. Un arrêt magnifique du. Voilà, oui, ben oui, ben, on va presser haut. Ben oui, on presse haut, les gars. Faut qu'on marque, hein. C'est normal, hein. Allez, attention, Samlov qui fait la passe. Et c'est la tête. Et c'est la tête d'un joueur qui va tirer de loin. Et ça revient en défense. Et allez, il reste à peu près 2 minutes. Il y a déjà 4 minutes qui sont passées. Et c'est la fin. La victoire de l'Égypte. Est-ce que. Ben, ça va être la même chose dans la vie réelle. Je ne sais pas. Ça en verra. Je crois que je mets la vidéo lundi soir, si je me trompe pas. Donc, dans 2 jours. Ben, dans le lendemain, quoi, plutôt, parce que alors moi je suis vraiment happé au niveau du temps. Est-ce que Mohamed Salah il va jouer? Je ne sais pas. Allez sur ma page Facebook parce que je fais des petits sondages. Vous tapez Maïkou le caméléon et vous tombez sur une page Maïkou avec un caméléon. Et je peux vous dire bye bye. Et je vous laisse pour le résumé. Uruguay, Arabie Saoudite. Thank you.